Une artiste peintre que j'affectionne tout particulièrement parce que j'adore ce qu'elle fait. Une très, très bonne suggestion. Oui, puis je pense, je trouve que enfin, je me trompe peut-être, là, tu me diras, mais je trouve que nos personnalités se ressemblent un peu. Oui. Hein? Ça se reflète un peu. Oui, ouais, exactement. Mais c'est ça, vous êtes des personnages très indépendants. Indépendants, ouais. On a une joie de vivre aussi. Ouais, hein, puis on aime communiquer pas seulement par notre art. Non. La preuve, c'est qu'on s'entend bien, vois-tu? Alors, il y a autre chose. C'est un outil, ça. Oui, exactement. Ouais. C'est un outil, mais on comprend chacun notre forme d'art aussi. Hein, on a une sensibilité, là, autant avec Marie-André qu'avec Henri. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de vous rencontrer comme ça, puis pouvoir parler de vos projets. D'ailleurs, Nicole, ben, on va en profiter pendant que tu es là, que tu nous parles un petit peu de ce que tu prépares, parce que tu es bien occupée en ce moment. Oui, c'est une grosse année de production. J'expose pas quand même très, très souvent, tu vois. Peut-être aux deux ans, sauf des apparitions, là, comme chez toi, ou j'appelle ça des quarts d'exposition. Là. Mais là, pour le printemps, je vais avoir une nouvelle exposition chez Gala à Montréal, une galerie qui fête ses 20 ans d'existence. Ah, oui, et là, je prépare une série de tableaux que j'appelle les cariatides. Alors, les cariatides, c'est les fameuses colonnes, statues grecques. Alors, ça va être des grands tableaux très, très longs. Ça, c'est les plus petits. Il y en a qui sont plus longs. Ah, oui. Et le chapiteau, justement, est développé comme ça, en prolongation, soit par des objets de bois ou des objets de métal. Parce que c'est vraiment ça, c'est, pour moi, c'est la première fois dans tes œuvres que j'observe. Ouais. Ouais. Ben, d'ailleurs, c'est un style complètement différent des deux œuvres que j'ai chez moi. Beethoven d'abord, Beethoven et puis les Montgolfières. Les Montgolfières, les Montgolfières, voilà, qui sont des œuvres particulières aussi. Ouais. Et ici, cette œuvre-là, c'est probablement son titre est en voie d'apparaître là, chez moi, mais le thème, c'est l'inspiration. Mais l'inspiration du musicien, quand avant de commencer à jouer, vous avez toujours une grande inspiration, hein? Puis pour moi, vous fermez les yeux dans ce temps-là, puis là, vous entrez complètement à l'intérieur de vous. Et elle, là, c'est ce qu'elle fait, là, elle est en train d'inspirer en levant les épaules, tu vois, elle a les mains comme ça, là, puis elle va attaquer son instrument là, dans la seconde qui vient. Là. Ah, c'est un peu pour ça que je l'ai choisi aujourd'hui. Est-ce qu'elle a peur un peu aussi? Non. Oui, c'est ça, j'ai pour dire des fois. Est-ce qu'on meurt de peur? C'est ça, on sait pourquoi je fais ça dans la vie. J'avais toujours le trac avant d'attaquer l'instrument. Ah oui. Quelqu'un m'a déjà dit, moi, le trac, ça se perd pas, ça s'apprivoise. Oui, mais c'est vrai. Ah oui? Oui, oui, bien moi, c'est... Ça prend du temps, 40 ans plus tard. Oui, mais c'est ça. Monsieur Chébat qui disait toujours, faut que tu dises que tu n'as pas le choix, tu vas toujours l'avoir. Puis il faut que tu s'en serves comme une énergie un positive. C'est ça, si un on moteur. Pas, on change de métier. Oui, vraiment. Ouais. Alors que nous, tu vois, on va avoir plus le trac, là. Là, je suis en train de faire cette série-là, puis je me dis... Bon, qu'est-ce que ça va donner, l'ensemble, la relation entre les tableaux, la thématique? Là, je me pose des questions, mais le soir du vernissage, nous, c'est terminé. Hein? On fête tout simplement. Alors là, c'est notre côté fêteur qui est complètement dégagé. Là, il n'y a pas de nervosité le soir du vernissage parce que ce qu'on avait à dire est dit. Puis pour nous, les gens quand ça a bien marché. C'est ça. Mais puis pour nous aussi, quand on va à un vernissage, c'est notre façon... de donner l'énergie à l'artiste. Dans le fond, quand on va voir les œuvres, puis on apprécie. Nous, ça se passe pendant le concert, après aussi, mais peut-être après, c'est souvent plus de façon plus intime, parce que c'est avec les amis. Gens qui vous connaissent, exactement. Ouais. On ose aller vous voir après, quand on vous connaît. Ouais. Bien, pourtant, il ne faut pas avoir peur. On ne meurt pas. Puis c'est étonnant de voir à quel point les gens ne viennent pas. Parce qu'ils s'imaginent que, bon, tu sais, il y a du snobisme, je ne sais pas quoi. Mais on est tellement contents de voir le monde après. Mais c'est un peu comme vous autres quand vous faites une exposition, puis vient beaucoup de gens. Vous êtes contents de montrer votre travail. Oui, parce que c'est un langage qu'on utilise. Hein? Alors que les gens le comprennent, notre langage, on est au 7e siècle. Oui. Hein? Quelqu'un qui vient nous faire un commentaire, mais en tout cas sur un tableau, puis qui a saisi, tu sais, c'est une grande émotion. Alors vous autres, c'est peut-être pareil, mais on n'a pas... Je pense que ce qui nous...
empêche de communiquer avec les artistes ou peut-être avec des gens de d'autres domaines aussi, c'est qu'on a peur de ne pas avoir le vocabulaire pour dire les choses. Hein? Puis on a peur d'être soi-même. On a peur de dire, excusez-moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Ouais. On ne peut pas tout savoir. Ouais. Puis je veux dire, plus on en sait, plus on constate son ignorance de toute façon. Remarquez que quand vous arrivez et qu'il y a un de vos amis qui a mal joué, on s'est perdu de partout, etc. Là, vous lui tendez la main et vous dites, rien. Ça, vous étiez là. Tu dis tout est dit. Il sait, puis lui, de toute façon, il n'a pas besoin de savoir, il sait très bien déjà. Mais c'est des moments qui sont durs à vivre parce qu'il faut bien que tu te manifestes et dire, bon, OK, mec, j'étais là. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas lui dire qu'il a bien joué, c'est joué comme un cochon. Mais n'empêche que souvent, Henri, il arrive que quand on joue, on trouve toujours que les erreurs ou les petites choses qu'on peut faire sont encore plus énormes que ce qui s'est vraiment passé. Oui, probablement. Tu vois, regarde, mon éditeur, à un moment donné, j'ai un livre qui est sorti il y a quelques années, me disait, au lancement du livre, dès qu'un livre sort... On va tout écoquer. C'est ça. Les coquilles sortent en même temps. Avant ça, il n'y en avait pas. Ouais. Bon, nous, on va à des concerts. Pourquoi? Pour avoir le vécu de ce soir-là. Là. Il y a une mauvaise note, c'est rien. Nous, ce qu'on remarque, d'abord, on ne l'entend même pas souvent. Écoutez, c'est la magie. Quand vous êtes chez vous, puis vous écoutez un disque, puis vous allez au concert, puis vous attendez... comme certains critiques d'ailleurs, à entendre ce même disque, bien, restez chez vous et écoutez votre disque. Bien, parce vrai. Que quand vous allez au concert, vous voulez autre chose qu'un disque. Exactement. Hein? Exactement. On veut l'atmosphère, on veut les gens qui sont autour, on veut la personne. Moi, ce que je veux, c'est l'âme de la personne. Non, on ne veut pas une machine. Non, je ne m'attends pas à une machine non plus. Non. Mais je m'attends à une communication. Ouais. Puis on s'attend à ressortir de là avec quelque chose qui nous a rempli de bonheur. Moi, en tout cas, moi, c'est... c'est que des fois, tu peux aller au concert. Moi, je me souviens de certains concerts de Martha Argerich, par exemple. Absolument, j'ai dit, j'en mange pas pendant 3 semaines. C'était sur le dos parce que c'était tellement formidable. Puis j'ai déjà entendu Martha Argerich jouer si mal que ça te fait mal. Ça te pogne au trip. Oui, puis t'es en maudit quand tu sors du concert. Oui, mais c'est ça, le concert. Il faut que ça provoque quelque chose, c'est quelle que soit la chose. Puis tu vas à 5 concerts, puis il y en a 2 magnifiques. Alors, il faut que tu ailles aux 5 pour le savoir. C'est si tu ne veux pas le manquer le soir où c'est culminant, là, son talent. Et c'est là que je dis des fois que, bon, la critique est un mal nécessaire, mais vous avez un critique qui vous fait une mauvaise critique, puis il y a 300 000 lecteurs qui lisent ça. Le lendemain, vous avez le choix de 2 concerts, c'est pour bien convenir, hein? Alors, ou on va être curieux. On va être curieux de voir ou si on va être curieux de voir si le je suis si pourri. Ou en tout cas, le mauvais concert a été donné. Voilà. Tu vois, comme nous, quand on prend des nouvelles tangentes aussi dans nos créations, qu'on change, là, tu sais, des fois, il y a des moments charnières dans notre carrière. Puis c'est pas les mêmes gens qui nous suivent des fois. Hein. Tu vas avoir comme d'autres personnes là, tout à coup qui vont être sensibles à ta nouvelle thématique, puis d'autres qui décrochent. Moi, il y a des gens qui disent « Ah, oh, moi, c'était tes tableaux de sable que j'aimais. » Bah, moi, ça a été une période, je ne dis pas que j'en referai pas parce que, de temps en temps, je vais en faire, mais pas suffisamment pour en regrouper pour une exposition. Mais s'attendre à ça, d'avoir des gens qui, à un moment donné, nous suivent un bout, puis après ça, bon. Mais aussi, toi, en tant que personne, en tant qu'artiste, toi aussi, tu évolues comme Henri parlait tout à l'heure, puis tu vois les choses différemment, puis tu as vécu des choses aussi au fil des ans qui font que tu as... Ton art va évoluer aussi. Oui, absolument. Puis pas rien que ça, c'est que ton public que tu avais 20 ans avant, il y a 20 ans de plus, lui aussi. Là. Puis lui aussi a vécu autre chose. Il y a les petits jeunes qui courent derrière, là, qui arrivent. Oui, tu sais, les petits prodiges, les petites vedettes. Alors, c'est que là, ton public, il n'est plus le même qu'il était. Hein? Il était plus jeune à l'époque parce que toi aussi, tu étais plus jeune, n'est-ce pas? Oui, puis dans notre société, on peut dire qu'on a formé, autant toi en musique que moi en art plastique et en histoire de l'art, beaucoup, puis toi en musique aussi, on a formé beaucoup, beaucoup de jeunes, beaucoup plus qu'avant. Donc, tout le monde a le droit d'avoir sa place, d'avoir sa chance, d'essayer, de voir. Et nous, on ne peut pas, évidemment, avant ça, on pouvait presque aller voir tout ce qu'il y avait de concert. Hein? Il y en avait quand même peu quand on était plus jeune. Mais là, maintenant, on peut choisir, mais en même temps, on sait qu'on en manque beaucoup. Ouais. Mais ça nous donne un bon choix. En art visuel, c'est pareil, là. Mais c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne durent pas longtemps, par contre, parce que les carrières sont très, très difficiles dans le domaine des arts. Mais pour moi, c'est pour ça que c'est si fabuleux de pouvoir vous connaître, parce que vous êtes des ambassadeurs pour la région. Alors, on est vraiment très fiers de vous avoir parmi nous. Alors, vraiment, encore une fois, un grand merci d'avoir accepté de venir à l'émission. Merci de nous avoir invité. C'est un plaisir.